YouTube de retour sur Assassin's Creed, on est à Jérusalem. Comme le message vient de l'indiquer, nous avons fini entre guillemets notre enquête, mais en tant que streamer respectable, je vais, comme vous pouvez le voir, essayer d'avoir plus d'informations sur notre cible et bien sûr obtenir tous les points d'information, les points de synchronisation. Tout ça parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses. Hein. Hop. Ah, attendez, hop. Donc ça, on avait fait ça. Alors, secourir. Ouais, mais j'aime pas trop faire les citoyens. Hein. C'est mon côté loyal mauvais. On va plutôt aller faire les points d'observation par ici. Hop. Et essayer de obtenir voilà plus d'informations. Faut que je me rappelle aussi des boutons. Tu n'es qu'un sale voleur. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Aucune idée, c'est grave ou pas. Ce sont des acouphènes qui causent des vertiges et des insomnies. Je vais avoir un spécialiste, mais ça pourrait être lié au Covid que j'ai eu il y a 2 ans. Ah ouais, d'accord. Putain, ouais, je pensais que quand tu me disais un peu malade, c'était une petite grippette. Ouais, non, mais ouais. T'as raison, faut faire gaffe, hein. C'est par le sud que le roi anglais et son armée faut faire gaffe. Arrive. Et ils sèment la terreur dans leur sillage. Alaaddin est parti ouais. À leur rencontre pour nous venger. Donc, de ouais. Leur prends soin de toi et j'espère que ça sera. Oula. Oula là. Ça sera vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc là. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Attends, j'ai vu qu'il y avait un truc de témoin qui était affiché. Bon. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter. Le mettre hors d'état de nuire. Mais ouais. Ouais. Bon courage à toi. Et puis. Je me doute que les insomnies, ça va être très, très, très chiant. Après, moi, les insomnies, les acouphènes. Après, je sais pas s'ils sont. Ils sont violents. Oh putain, attendez, attendez. J'ai du mal avec ce gameplay. Hop. C'est peut-être moi qui suis. Oh, attendez, attendez, attendez. Je vais me faire opérer là. Ça va pas du tout. Attention. Voilà, attendez. Allez, tourne-toi, monsieur. Là, il va se retourner. Il n'a rien à faire ici. D'accord. Voilà, voilà. Hein. Le problème est réglé. Alors, oui, c'est ici. Hein. C'était bien en face qu'il fallait que... Il fallait monter pour pouvoir accéder à la... Au point de synchronisation. Alors, attendez. On va bien observer pour trouver... Les éventuels... Oh bah, directement ici. Parfait. Bien, ouais. Alors, est-ce qu'il faut monter plus haut ou pas? Pour la synchro. Oui, je pense. Okay. Alors là, normalement, hop. Ok, il va falloir faire le tour. Et là, normalement, on va pouvoir se synchro. Montez, monsieur. Hop. Petite synchronisation. Donc il nous en reste encore 3 pour le quartier riche de Jérusalem. Alors, on va ouvrir la carte. Est-ce qu'on a des choses ici? Ah, un truc à dérober. Là. Okay. On va aller faire ça de suite. Hop. Ils sont assez violents en ce moment. Avant, je pouvais presque les masquer en ayant un bruit de fond. Ah oui, merde, ah oui. D'accord. Ah, pas évident.
me dissimule. Hop. Donc il faut dérober. Alors attendez, hop. Mais je me rappelle plus comment on fait pour attendez. Comment je fais pour le loquer? Attendez, attendez. Lui me propose de l'assassiner. Attendez. Je peux pas l'assassiner. C'est complexe, hein. Heureusement qu'il n'y a pas Iron Man pour se moquer de moi, hein. Alors, verrouillez votre Steam. Attendez. Je pense qu'il y a un problème de manette. Je ne vois pas d'autres d'autres options. Cibler. Cibler. Verrouillage cible. Bouton 4. C'est quoi le bouton 4? Putain, ouais, mais c'est des vieux jeux, ça. Ils mettent pas bouton. Si les gardes ne font mais rien, d'accord, c'était juste ça. Il est de notre devoir d'agir. La proposition aussi simple que ça. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Mais qu'est-ce que tu suggères? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son... R3, même pas. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. À ce moment-là que je compte agir. S'il te repère, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leur flèche. J'espère bien ne pas en arriver là. Eh, un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. Mais ouais, du coup, ouais, j'espère que ça ira mieux pour toi, les acouphènes. Je sais pas si ça peut être lié au stress. Oh là là, mais quel... Vous avez procuré une carte indiquant la position des gardes de Talal. Hop, allez, tac, on se barre. On se barre. Par contre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est complexe, hein. Quelqu'un sait pourquoi il fait ça? Bah non, je sais pas pourquoi je fais ça. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est... Je suis d'accord, j'ai pas l'air très malin en faisant ça. Bon. Ok, pardon, la carte. Tac. Alors, du coup, maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est aller récupérer ce point d'observation. Qui est assez loin, finalement. Hop. Oh, la roulade. Alors, tac, tac, tac. Je vais passer par ici. Oh, non. Ça, j'ai pas compris, regardez. Parce que... Mais pourquoi il fait ça? Moi, je veux juste qu'il monte, hein. Je pense que j'ai des inputs trop rapides pour le jeu. Je vois pas d'autre solution. Ok. Oh, non, non, non. Fais pas ça, s'il te plaît. C'est par là, hop. Tac. Merde. Je sais pas trop par où passer. Hein. Le gameplay du 1 a souffert, ouais. Ouais. Bah après, il a... il a 15 ans. Oui, bah... C'est bien, c'est ici que je veux aller, monsieur. Après, je trouve quand même que pour un jeu de 2007, il y a quand même pas mal de bonnes idées. Hein.
de trucs qui étaient déjà présents, dont je n'aurais pas forcément imaginé. Pardon, 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 monsieur. Je suis pauvre. Ne recommence pas. Ok, elle refuse de sauter ici. Qu'est-ce que tu veux? Elle veut pas que je passe par ici. C'est interdit, donc je vais devoir contourner. Hop. Alors hop, je vais sauter par là. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ouais, je pense que je peux pas encore accéder à. Ah, peut-être. Peut-être que si. Est-ce qu'on va m'autoriser à contourner de cette façon? Oh. Ah oui, attendez, par contre, il faut que je me rappelle comment on joue. Il est bourré de bonnes idées de super concept, mais qui sont. Ouais, non, mais c'est évident, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Et puis, globalement, même la licence a pas mal évolué. Hein. Du coup. Merde. Aucun de moi. Salut Ankou, comment vas-tu? Ok, attendez, faut peut-être que je me cache au bout d'un moment. Ok. Et je... Ah non, son feu. Mais... Oh, je vais me faire... C'est bon, je me dissimule. Je me dissimule. Allez. Parce que je pense que je peux. Ah, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même un mur d'incendie important. Je suis pas sûr de pouvoir choper le point de synchro. Alors, vérifions comme sur la carte. Ah ouais, faut peut-être passer directement par là. Ouais. T'as fini assez Valhalla? Ah, alors t'en as pensé quoi? Un coup. Quel a été ton ressenti au final? Aïe. Qui a bien pu faire une chose pareille? Oh, c'est terrible. Ok, tiens, là je pouvais sauter. Alors. Long. Ouais, mais. Un jeu peut être long et bon. Est-ce que... Après, bon, après, si tu dis qu'il est long, c'est... C'est quand même un petit peu péjoratif, hein, on va pas se mentir. Ça... Ça donne une petite idée du jugement. Ah, là. Là, regardez. Ouf, ok. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ou pas? Je pense peut-être qu'il n'y a pas forcément moyen de moyenner. Ok, il y a lui. Maudit vieillard. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Merde. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Pitié, ne me faites pas de mal. C'est nous, les enfants de Dieu. Ah merde, j'ai été repéré, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Je ne peux y croire. Bah après ouais c'est répétitif hein. C'est vrai que merde, je voulais l'assassiner. Ah, j'avais plus ma je sais pas si je peux les attirer les gardes qui sont devant. Au pire attendez, je peux même peut-être me les faire 1v1 1v1 1v4
avec les gardes. Mais il y a un monde où je me fais défoncer. Hein. Maudit vieillard. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Merde, je trouve une tour. Ok. Ils ont l'air plutôt vénère. Non, mais par contre, barre-toi. Essaie d'être barré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Hop. Secours! Ah non, putain, il est d'accord. Par contre, ouais, le ciblage. Aucun de moi. C'est faux. Oh, d'accord. Salut Nikiren-sama, comment vas-tu? Je me dissimule maintenant. J'aime ça, bah ouais, j'aime ça finalement. Hein. Attendez. C'est où? C'est le chronodome ou pas? Je suis venu vous avertir. Si Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Non, putain, il n'arrive pas à monter ici. Attendez, il faut que je trouve un moyen d'accéder. Ah ben voilà. C'est un jeu de l'amour. Ah bah oui. Alors c'est ce que je disais un petit peu à Ronin au tout début. C'est vrai que le jeu est un peu mal vieilli. Alors pas forcément par rapport aux idées, mais par rapport au gameplay. Ok, donc là, non, c'est pas ici. Mais ouais. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de trucs quand même qui sont super. Qui sont super, ouais, mais c'est vrai que j'avoue, j'ai un peu de mal avec le gameplay. Hop, alors, ah, c'est ici. Ah, je me synchronise, les gars. Mais voilà, l'objectif c'est de redécouvrir la licence Assassin's Creed, notamment les premiers opus que j'avais pas du tout fait, ni regardé, ni été intéressé. Donc ça va être l'occasion de le faire et pouvoir profiter de vos lumières. Alors j'ai des défis d'informateur. Ok. Il a mal vieilli, il a vieilli, mais l'histoire et les lieux, c'est magique. Ah ouais, mais alors pour le moment, ouais, l'histoire, alors il faut que, genre, je suis au début, donc je connais pas trop. J'ai juste appris, voilà, ce qui se passait avec l'Animus Abstergo, du coup, qui est l'entreprise qui essaie de gérer l'Animus, et du coup de l'ancêtre visiblement d'Altaïr, qui sert justement à découvrir, utiliser son ADN justement pour revivre des éléments du passé, afin de trouver visiblement le trésor des Templiers, si j'ai pas dit de bêtises. Mais du coup, alors pour moi, c'est ce que je sais, c'est très basique, mais ça donne envie de suivre. Donc c'est bien le principal. Ok, donc je vais aller au défi informateur. Mais ouais, pour moi, ouais, c'est... Après, pareil, je connais pas du tout les villes, je n'y suis jamais allé, notamment à Jérusalem. Mais je sais pas si la fidélité est déjà aussi présente. Alors même si, voilà, graphiquement, ça doit être moins impressionnant, mais je sais pas si il y a un effort qui a été fait au niveau de la représentation des villes. Mais...
tout cas, c'est agréable d'y s'y balader. Du coup, ils m'ont bien oublié. Bon, j'aurais pu passer de l'autre côté, mais c'est vrai que je me disais, il y a peut-être un moyen de contourner les gardes. Visiblement, non. Ah putain, par contre, ça, je vais essayer de récupérer comme le petit... le petit collectible. Ces petits drapeaux qui traînent un peu partout. Du coup, ouais, pareil, ça, c'est... Ça, c'est vraiment... old school dans le principe, quoi. Il y a juste des collectifs pour mettre des collectifs. Je sais pas ce que ça apporte vraiment. Il n'y a pas de notion d'XP. Ça va être pour le 100%. Alors, attendez. Attendez, où l'informateur? Pourquoi j'arrive pas à cibler l'informateur? Attendez. Ah, c'est lui l'informateur. Ah, est-ce qu'il faut que je le... Aïe. Me suis trompé. Non, parce que... oui, dans ce jeu-là... Pour obtenir des informations des gens, il faut les taper. Je croyais qu'il fallait le taper, visiblement. Non, c'était un... ça devait être un gars. Donc là je peux pas y aller forcément parce que j'étais repéré. Non. Ok, d'accord. Attendez. Non, par contre ça, vous avez vu ça, je sais pas pourquoi. Mais monte à l'échelle. Ok, d'accord. Une heure pour pas monter à l'échelle, quoi. Oh, c'est magnifique ce que j'ai fait. Yes! Oh, il a peur. Allez, dégage. Au secours! Salut, Madge, comment vas-tu? Bon, ah, mon informateur, il est où? Vision d'aigle. Ah oui, j'utilise pas ma vision d'aigle. C'est vrai, faut que j'utilise ma vision d'aigle. J'ai l'habitude d'utiliser... Vous savez, les joysticks pour avoir le sens de sorceleur. Ah, attendez. Alors, vision d'aigle. Là, c'est des méchants. Bleu, c'est des alliés. Ah, c'est... Regardez, je l'ai trouvé là. Ouais. Par contre, je sais pas pourquoi, mais c'est uniquement les gardes. Attendez, faut que je vous dise. Non, oula. Attendez. Oh. Non, mais. Oula. Il me fait peur, monsieur. Plus. Alors. Donc oui, c'est le blanc qui a les informations. Oh putain. Putain, mais regardez, ça c'est typique. Regardez. Vas-y. Serait-ce le grand Altaïr qui se tient devant moi? Oh non. C'est un honneur. Vous êtes sûrement ici pour une mission très importante. Aïe, aïe. Je peux vous apporter mon aide? J'ai espionné certaines personnes et appris beaucoup de choses. J'aime pas les missions timées. J'ai un problème. Je devais livrer des drapeaux de Massiaf au chef de cellule, mais des bandits m'ont attaqué et je les ai perdus. Pourriez-vous les récupérer? Je dois retrouver mon mentor avant son retour du marché. Alors faites vite. Secours! Attendez. Attendez, stop! Faut que je fasse quoi? C'est quoi ça? Dis-moi pas que vous récupérez tous les drapeaux informateurs. Oh là là. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Mais j'ai pas compris. Ah d'accord, c'est ça, il faut récupérer les drapeaux.
Ok, ok. Secours. Ah ouais, d'accord. C'est... Saute. Pourquoi il saute pas? Ah d'accord, il faut laisser appuyer, ok. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Non, voilà. Saut 2007. Bah du coup, ta réponse un petit peu mage. Hein. Ça vieillit à... Alors, le jeu lui en lui-même vieillit bien, le gameplay. Un peu moins bien, mais bon. Ah, c'est pas ça que je voulais récupérer. Qui sont les autres drapeaux? Là. Je laisse appuyer. Ok. 16. Non. No, ouais. Et il me reste une minute. Ok, un en bas. Et le dernier, il est où? Il est en bas. Non. Mais là. Attendez. Je suis de ma gueule ou quoi? Il est où? Attendez, il est où le dernier? Attendez, faut jouer à la carte. Stop. Mais non, il est super loin le drapeau, attendez. Il est où le drapeau? Putain, non mais... Fais un effort, t'en supplie. Merde, c'est pas celui-là. Moi, j'y arriverai pas. Mais non! Non, il fait n'importe quoi. Non, non, là, il me troll. Hein. Il ouvre le drapeau. Oui. J'ai jamais douté. Ah, mais il fallait le retourner le voir. Oh non! Je suis deg, les gars. C'est pas payé, hein. C'était lui, hein, les drapeaux, hein. Ah là là. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Normalement, là en jouant comme de la merde, je l'ai eu. Je l'ai eu presque. Alors hop. Ah, dégage. Pardon, monsieur l'informateur. Ok, 2, 3, 4. Allez. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 17. Bah voilà, ah oui d'accord. Ah non, il m'en manque un. Ah non d'accord. T'as j'allais trop vite pour le jeu. Jamais vu faire ça auparavant. Mais non. Non. On dirait qu'il a le diable au corps. Bah ouais. Bravo. Mais c'est... Je savais que je pouvais compter sur le grand Altaïr. Voilà ce que j'ai appris en espionnant les gardes près du dôme du rocher. Ils parlaient d'un certain Talal. D'après eux, celui-ci est entouré de nombreux hommes de confiance, prêts à se sacrifier pour lui. Dès qu'ils sentent leur maître en danger, ils interviennent pour lui permettre de s'échapper.
Je ne sais rien de plus. J'espère que mon humble contribution vous aidera. Ouais. Bah écoute, oui, donc visiblement il a des... Elle peut compter sur ses fidèles participants et se sacrifieront pour lui permettre de s'enfuir. Ok. Donc oui, ça veut dire que si je veux retrouver... Ouais. Oui, d'accord, c'est comme ça. Voilà, donc voilà, les informations qu'on a obtenues, on peut les retrouver ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, ça n'a pas l'air simple. Le seul et unique essai que j'ai fait, c'est Odyssey, était sympa. Ouais, ouais, après, comme tu vois, le gameplay, il a pas mal changé, Maj. Entre-temps, mais ouais, Odyssey, alors, non, je sais plus si c'est... Non, c'est Origins que j'ai fait. Et en effet, il était très sympa aussi. Mais ouais, tu vois que c'est un jeu quand même plus récent, qui a pas mal évolué. Et c'est pas forcément pour déplaire. Ok. Du coup, on va essayer de faire le nouveau défi d'informateur. T'as fait un dernier, d'accord. Du coup, tu l'as fait, là ou pas, Nikiren, le dernier, dernier qui est sorti. C'est lui, encore. Altaïr, je crois que je me suis fait des ennemis. J'étais chargé de surveiller le marchand d'esclaves. Malheureusement, j'ai commis une erreur. Il m'a repéré, et depuis, ses hommes sont à mes trousses. Je dois quitter la ville, mais je n'y arriverai pas tout seul. Aide-moi. Il faut que j'aie tué. Je te dirai ce que je sais. Ah putain, il faut que j'escorte l'informateur. Pitié, ne me faites pas de mal. C'est nous, les enfants de Dieu. Un problème. Putain, mais moi, les citoyens, la mission de citoyen, je l'ai fait pas. Je pense que c'est une erreur. Sinon, attention. Je me suis pris tous les gardes à cause de lui. Ah ouais, putain. Putain, il m'a contré. Oh là là. Mais lâche-moi. Après, je devrais saisir aussi. Ouais, parce que lui, ils font bien. Et putain, là par contre, le ciblage, ça me rappelle... Ça me rappelle Elden Ring. Hein. Allez, prendre contrôle, atteint, let's go. T'as pas fait Syndicate? Alors Syndicate, on m'a dit qu'il était très mauvais. C'est celui qui est sorti après Unity. Je vais pas trop faire Sting of New York, c'est pas trop mon trip. J'aimerais faire Origin. Ah oui, Origin, ouais. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait, mais je l'ai pas fini. Mais c'était pareil, c'était bien sympathique. Bon, après, tu sens que t'as eu la période un peu creuse. Débarrasse-moi d'eux, Altaïr. Oh putain. Tu ne vas pas fuir toute ta vie. Tu ne m'échappes pas. Empêchez-les de se battre. Abandonne. Ne t'en tire pas. T'as commencé Origin. Ah. Moi j'avais bien aimé le début. Après à la fin je me... Mais pareil, il était pas mal décrié parce qu'il a quand même... Je crois que c'est vraiment Origin qui a vraiment modifié un petit peu l'aspect de la licence. Hein. Fini l'infiltration. On est passé plus sur de l'action RPG, hein, clairement. Alors, il y avait encore une composante infiltration mais qui a été assez rapidement... était balayé par
par l'aspect action RPG. Et... mais de rien, ça fait plaisir. Merci, mon frère. Ah, fallait que je signe. Prends cette carte. Elle indique les cachettes de Talal. Cela te sera utile si ce lâche s'enfuit au lieu de combattre. Et si j'en crois ce que j'ai appris, c'est ce qu'il risque de faire. Ouais, bah oui, on a appris qu'il avait tendance à s'enfuir. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a donné? Vous êtes procuré une carte détaillant les lieux où Iral, tout à l'heure, ira se réfugier s'il prend la fuite. Ah, ça, c'est intéressant. De ouf. Alors, est-ce qu'on l'a directement sur la carte? Les possibles... ou c'est juste une info comme ça? Écoutez, parfois on va continuer à explorer et il nous reste donc à faire les deux points d'observation au bout. Alors, tiens, il y a une église là, hop. Et voilà, en tout cas. Mort à la fidèle. Ça... oh non. Ah oui, d'accord. J'ai encore du mal avec le ciblage lock. Oh, merde. Pardon. Je pensais pouvoir sauter. Ok. Là, je suis caché. Je sais pas si ça... si comment ça s'appelle. Il y a des différences entre les... ces caches qui sont vertes et les autres qui sont jaunes. Je sais pas si c'est uniquement du décor. Ok. Tu préfères... tu me dis le gameplay de Valhalla. Alors, je me rappelle pas forcément des différences qui... qui peut y avoir entre les deux gameplays. Alors, moi, j'ai pas trouvé énormément de différence. Allez, tombe. D'accord. Ça a été quand même plus stylé que tu tombes de l'autre côté. Tiens, pourquoi il y a ce drapeau? Pourquoi il y a ce drapeau? C'est normal? Par où je peux passer maintenant pour... Bah, je vais passer par l'échelle. Aidez-moi, je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Attends, hérétique. Non mais comme toi, joie. Aidez-moi, je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Altata du Cheyenne, hein? Barrez-vous les méchants. Hop. Alors, ouais, donc là je peux remonter. Parce que si je dis pas de bêtises, c'était le drapeau de la Tunisie, non? Rouge avec le croissant et l'étoile. Il me semble, hein. Du coup, qu'est-ce que ça foutait là à Jérusalem? Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que je suis vraiment un ignare. En histoire. Sans doute, hein, parce que... je sais que la licence... Assassin's Creed est, ben, est très portée là-dessus, donc ça m'étonnerait qu'ils aient fait... des erreurs à ce point. Ok. Ok. Quitte les lieux. Ah mais j'en ai pas. Drapeau rouge avec un croissant de lune blanc et l'étoile. Il me semble que c'est le drapeau de la... de la Tunisie, non? De la Tunisie, oui, c'est ça. Putain, vas-y. Mais pourquoi je suis bloqué? J'étais bloqué par quoi? Ah, Turquie peut... Attends, peut-être... Oui, j'ai dit peut-être une bêtise, alors. Sans doute, ouais, plutôt la Turquie.
Oui, non, mais t'as raison, c'est la Turquie. Hein. J'ai dit une grosse bêtise. Hein. Moi, ouais, non, mais t'as raison. Hein. Erreur de ma part. Grande erreur. Va-t'en, paysan, ou je te vote le train. Bah, attends. Mais du coup, le drapeau de la Tunisie, il ressemble à quoi? Non, mais du coup, oui, putain. Mais... Par contre, du coup, il ressemble à quoi le drapeau de la Tunisie? Après, Tunisie, Turquie, bon. Ah, ça commence pareil, hein. Mais oui, Turquie, oui, bien sûr, Turquie. Ce qui fait nettement plus de sens. Non, mais vraiment, hein, c'est ouf, hein. Oh, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a rien. Il nous reste donc celui-ci. C'est à peu près... Ah, mais du coup, ça ressemble quand même. Bon, ça... Si ça ressemble, bon. Alors, attends. Et du coup, après, on va pouvoir mener à notre enquête. Par contre, ouais, les citoyens, tant pis pour vous, les citoyens, démerdez-vous. Hein. Sans moi. Lune et étoile rouge dans un cercle blanc et drapeau rouge. Ah, bah oui, c'est pour ça que j'ai confondu. Ouais, ouais, non, non, mais. Bon. Ça va. On se rassure comme on peut. En disant oui, oui. C'était quand même assez proche. Et salut, Thorfinn, comment vas-tu? Oui. Ok. Non mais lâche-moi, s'il te plaît. Il faut. Ah oui, du coup c'est cette église. Non, vous allez me dire qu'il peut pas sauter là-dessus? Non. Je n'ose y croire. Non, il peut pas sauter là-dessus? Non. Je vais être prêt. Mais... Cherchez partout. Je l'ai vu. Mais j'ai rien fait. Arrête. Tu ne peux pas t'échapper. Ok, je vais m'occuper de lui. Pourquoi tu voyais... Il y a des zones. Ah, ça, c'est la plus grande caméra. Oula, lui, il l'a vénère. Donc, c'est un templier, ça. Non. Aïe aïe aïe. Lâche-moi, bouge pas. Ok, ok. Bien joué, bien joué. Non mais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va remonter ou pas? Oh le bâtard. Ça va. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Alors. Et en plus, on a eu un templier. Où sont les petits aigles? En face. Mais comment j'y accède? Comment j'y accède? Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Nous avons absolument tous les droits. Aidez-moi. Ah, désolé, monsieur. Parce que là... Alors, attendez. Nous avons absolument tous les 28. Ouais, c'est une sorte d'église, de cathédrale. Arrêtez, vous en prie. Vous me faites mal. Comment je peux y accéder? C'est ça la question que je me pose. Sans doute en faisant le tour. Hein.
Parce que je pense pas que je puisse accéder à la première toiture. Non, là il veut pas. Bah, parlez. Pourquoi s'emmerder, hein, à chercher un passage alors que voilà. C'était aussi simple que ça. Quelle église. Ah, je voulais voir si on pouvait faire sonner la cloche avec. Mais malheureusement, non. C'est non. C'était non. Alors. Donc on a obtenu tous les points d'observation du quartier riche de Jérusalem. Ouais. Donc maintenant la carte, est-ce qu'on a d'autres infos? Non, on n'a pas d'autres infos à obtenir. Du coup, il nous reste à nous diriger au niveau du bureau des... J'ai tiré au bureau des légendes, non, bureau des assassins. Hop. Ah. Je me suis caché la chouille. Dieu t'a abandonné. Ah, par contre, ouais, il y a des... Je sais pas pourquoi il... Ok. Allez, on va passer comme ça. Hop. Bon, comment ça va? Non! Vous avez vu ça? Je me fais encore. Vas-y, saute, mais. Voilà. Ah, je pense qu'il faut donner un petit coup de direction aussi, hein, parce que sinon. Putain, mais il y en a 100 à récupérer! Oh là là. Salut Daro! Comment on va? Lui, je l'ai vu. Je pense qu'il m'a vu aussi. Ok, ok, je me tire. Là, il me voit plus. Si, il me voit toujours. Ok. Ok, une petite. Il n'a pas le droit d'être ici. Attends. Ça va. Pas très sympathique. Hein. Ah, j'aurais pu faire le saut de foi. Ah, dommage, j'ai pas réussi à tomber dans le... Ok, hop. Murds. Attendez, là. Là, voilà. Et bah écoute, ça va aussi. Ça va aussi, Daro. Hop. Mon perso, il est coincé. Ok, ok. Le gameplay. Ouh là là. Ouh là là. Alors, le bureau. Bureau inaccessible. Ah, les bâtards. Les bâtards et non grata. Ah, attendez, il faut que je me cache des qui. J'ai rien commis comme Larsin. Putain. Il est mort, j'espère. Oh! Barre-toi! Barre-toi! Pourquoi il court pas? Courir, monsieur. Oui, bah oui, bureau inaccessible. Il m'a pas vu! Non, il m'a vu. Tout le monde. Non, mais pourquoi il fait ça? Simule-toi! Oh merde. Bon, j'ai tout fait. Merde, je me suis trompé de bouton.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'accord, super. Allez, hop. Il y a de ces bugs quand même. Putain. Il y a de ces bugs. Bon, allez, moi j'ai envie de faire mon... commencer mon enquête contre Talal. Pas mal, c'est strat du moulin de la confusion. Exactement. Ça, c'est des... ça, des, c'est des strats d'assassins à avancer, quoi. Allez, voilà. Hop. Tu m'as saoulé, toi. Bon. Priez pour que Dieu exalté et glorifié soit-il. Attendez, hop, ici. Hop. Je lâche prise. Non, mais ouais, le gameplay, bon, il faut s'y habituer. Hein. Malik, tu vas encore me faire perdre mon temps? J'ai trouvé Talal. Je suis prêt à accomplir ma mission. Cela, c'est à moi de décider. Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi, quelle arrogance! Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non. Mais je m'en contenterai. Mais j'ai tout récupéré, t'abuses! Ah, elle m'a donné ma plume. Je récupère la plume. Repose-toi et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail. Mais fais-le discrètement. C'est bon, je peux... toi aussi, tu récupères tout. Je comprends. 10 PO dans la bourse. Sera chaque jour frappé lors de sa prochaine inspection. Je vous remets. Oui, j'espère que ça sera pas trop long. La séquence d'assassinat. 15 objectifs sur 15 obtenus. Synchronisation ADN augmentée. Ah, mais du coup, faire tout ça, ça m'augmente ma barre de vie. Ok. Donc, carte, c'est où il faut que j'aille. Cible à assassiner. Et bah, tu vois, regarde, ça gagne. Ça gagne. Voilà, par contre, je suis bloqué. Je vais essayer de rester zen. Hein. Putain. Ah. Ok. Ah, voilà. Voilà, voilà. Ok. Tac. Allez, donc on a appris qu'il pouvait se barrer également, qu'il y a des gens qui vont se sacrifier pour lui. Mais on a la carte des endroits où il se cache. Ok, hop. Il y a lui. Okay. Non. Non. Il s'est pas accroché. Vous y croyez ça? Allez, hop. Tac. Oh merde. Allez, allez, discrétion avant tout. On n'a pas dit la discrétion, nous, si on est discret. Sale voleur, je te ferai trancher la main. J'ai rien fait. Comment il a pu voir? Ah, attendez, hop. Tac. Allez, ah, pareil, toi, ce serait plus. Allez, croix de Jérusalem, 9 sur 100. Tant vous dire que j'aurai jamais les 100. Hein. Ah, attendez, hop. Donc c'est par là qu'il faut passer. Attendez. Non, alors faites des efforts. Ok. Oh putain, il y avait une croix ici. En haut. Mais bon, on a dit qu'on s'en foutait des croix. Alors, tac.
ça. Hop. Non, non, t'abuses. Non mais mec, t'abuses. T'es le pire assassin. Ah bah ouais, bien sûr. Voilà, un petit contre. Un petit contre. Non. Pire assassin, vous avez vu comment il s'est laissé tomber comme une merde. Aïe. Ok. Ah oui, du coup, c'est... Là, je suppose que je peux pas accéder en haut. Non. Et ce qui me semblait plutôt logique, en fait. Ah oui, du coup, voilà. Drapeau de la Turquie, hein. Donc, pas de la Tunisie, hein. Alors, attendez. J'ai ma porte qui s'est ouverte à cause de la ventilation. Je reviens. Hop, il n'y a pas pour longtemps. Ah. Allez, de retour, désolé. Hop. Pourquoi il t'appelle infidèle? Tu es juste un hérétique. Exactement, non, non, mais... Beaucoup trop de... Beaucoup trop d'amalgames, hein, vraiment. C'est un peu le jeu des amalgames. C'est honteux. Hop, aïe. Pardon, pardon, aïe. Le gars est quand même vivant alors que je lui ai tombé de... Je lui ai tombé de près de 10 mètres. Même plus. Pourquoi il ne veut pas me laisser passer? Fixe le corps. Bah je les attaque. Je peux les attaquer ou pas? Allez, ils m'ont saoulé. Je n'ai pas le temps à faire. Ils sont forts. Infidèle, tu ne peux pas me battre. Dieu est de mon côté. Ah mais ils ont peur. Mais regardez. C'est trop. Il faut que je contre. Ah ben. Tu veux mourir? Je vais t'éliminer! Ok, hop! Mais putain! Mais. C'est... Non mais. Ah, je sais, c'est mort. Hein. Putain, et je sais pas pourquoi il saute sur le truc pour faire un demi-tour. Alors que j'ai pas demandé ça. Ah, mais en plus, je recommence ici! Oh, j'en ai ras le cul. Allez, mais monte, s'il te plaît. Bon. Et... Du coup, pour YouTube, on va faire une pause. Hein. Pause VOD. On se retrouvera dans le prochain épisode pour vaincre ce Talal. Bye bye.